Hey, coucou à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc nouvelle vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Avant ça, je voulais vous remercier pour tout votre amour, tous vos messages, tout votre soutien. Je m'attendais absolument encore une fois pas à ce qui allait arriver. Vous avez été près de 6 000 personnes à suivre mon histoire et vous m'avez laissé des centaines de messages sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà, j'essaie de répondre à tout le monde et merci beaucoup du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Alors, donc je vous donne de mes nouvelles, comme vous pouvez le voir, je suis encore bien. Voilà, il n'y a pas de résultat forcément positif pour l'instant, l'œil de ce côté qui ne se ferme plus et la bouche, voilà, c'est pas joli à voir, c'est encore une fois très dur pour moi de me filmer. Déjà, j'avais du mal avant, mais là, avec ça en plus, c'est pas forcément évident. Donc, les premiers diagnostics sont tombés par rapport à ce que j'ai. Alors, beaucoup m'ont envoyé, c'est le vaccin, c'est le vaccin. Forcément, on peut y penser. Je vais pas non plus me mettre de côté, car dans la vie, on sait jamais ce que ça peut, voilà, ce que la vie nous réserve. Mais d'après mes analyses médicales, voilà, ça a été long, il y a eu beaucoup de choses à regarder et c'est loin d'être fini encore. Donc deux possibilités qui ont causé malheureusement ma paralysie faciale. Ce sont des symptômes qui, voilà, la paralysie faciale, elle existe depuis des années et des années, bien avant tout le reste. Donc malheureusement, mes résultats montrent dans un premier temps des résultats positifs à la maladie. Donc de Lyme. Donc pour ceux qui ne savent pas, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui est causée par une piqûre d'insectes, un tique notamment, voilà, qui peut créer de nombreuses maladies infectieuses, dont une paralysie faciale pendant quelques temps. Si c'est ça, un traitement existe. Maintenant, voilà, c'est la première supposition par rapport à mes résultats que j'ai eu. La deuxième chose. J'ai été aussi contaminé par le virus d'Epstein-Barr. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est un virus, donc un herpès, on appelle ça comme ça, qui s'est développé soit au niveau de l'oreille, soit au niveau du visage. Donc, une infection qui s'est faite suite à, ben, je sais pas, vous savez, vous êtes dehors, vous touchez, voilà, des objets différents, il suffit de vous gratter l'œil et c'est terminé. Ça arrive très vite. Donc voilà, c'est les deux suppositions que j'ai en face de moi pour l'instant. Donc j'ai aussi donc eu de la kiné à faire bientôt. Donc ça n'a pas encore commencé. Donc je disais que j'aurai également de la kiné à faire pas avant quelques semaines. Voilà, pour ceux qui voulaient de mes nouvelles, ben lundi je vais me retrouver hospitalisé pour de nouveaux tests, déterminer vraiment la cause principale, excusez-moi, déterminer la cause principale, de vraiment voir d'où ça vient, afin que ce soit le mieux traité possible. J'espère juste que ça va, voilà, comme j'ai dit, partir. J'espère qu'il n'y aura pas forcément de grosses séquelles et j'espère surtout guérir et. Et voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour tout l'amour que vous m'avez fourni. Je ne m'attendais pas à ça, merci beaucoup. Tous vos messages m'ont touché, c'est juste énorme. Donc voilà, merci du fond du cœur pour chaque mot, chaque pensée que vous m'avez adressée, chaque conseil. Je ne peux que vous dire merci, merci. Je continuerai à vous lire, à essayer de vous répondre et voilà, et j'espère que tout ira bien. Et voilà, et qu'on pourra continuer ensemble nos projets, notre travail qu'on avait prévu pour cette année 2022. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, faites vraiment attention à vous, profitez de la vie au maximum. Et voilà, je vous dis à très vite les amis, et encore une fois, merci pour tout.